Coucou les amis, et bien voilà, avec Jaco nous avons commencé à ramasser les courges. Donc ici on ne sait pas ce que c'est, hein. Donc ça sera la surprise en ouvrant, on verra si c'est mangeable ou pas. On a la langue de Nice, des sucrines du Berry, on en a déjà une qu'on avait ramassée, on vous l'avait déjà montré. Et ici c'est la plaine de Naples, alors j'ai pris un peu de recul parce qu'elle est quand même assez grande. Voilà. Et puis ici et bien nous avons ramassé la salade de grand-mère. Comme vous pouvez constater, à certains endroits il y a encore quelques trous. Pendant 3 jours nous ne sommes pas allés dans la serre pour des raisons personnelles et nous avons été envahis de chenilles, ce qui fait que c'est ce qui nous reste de la salade de grand-mère. Et on a eu d'autres dégâts, on va aller voir ça. Jaco est dans la serre. Coucou Jaco. Ah, la visite. Oui. Alors, avant toute chose, donc on va ici. Donc tu dis bonjour au fait. Bonjour à tous. Alors ben voilà, on a retiré donc les salades de grand-mère, hein, comme je vous ai montré. Ici, on a eu les épinards qui ont été quasiment mangés intégralement. Il nous restait plus que la tige. Donc là, ben, Jaco a nettoyé et il va venir mettre de la salade. Au niveau des oignons, tout va bien. Alors pareil, on en a eu un peu dans le mesclun, mais on a réussi à sauver les meubles, on va dire. On espère avoir récupéré toutes les chenilles. Apparemment, les chenilles ne s'attaquent pas à la mâche. Ouais. Ça s'est attaqué aussi à nos salades frisées. Donc, là, pareil, hein, Jaco, jusque dans les cœurs. Hein, il y avait des chenilles jusque dans les cœurs. Bon, bah ici, ça va certainement repartir. Hein, mais bon, ça a fait du dégât, hein, parce que c'était plus volumineux que ça déjà. Ici, il a mis des oignons. Et puis, bon, bah là-bas, c'est toujours En même temps, je fais un petit tour. Hein, c'est nos framboisiers. Là-bas, on a encore un tout petit peu de persil. Il y a les rosiers. Le céleri, là il y a des salades qui sont prêtes, hein, on verra où est-ce qu'on va les mettre. Là-bas on a encore un petit peu de mâche aussi dans le plateau. Bah, ça c'est les géraniums. Hein. Bah, et puis ici, alors les carottes, les salades qui ont été mises, je ne sais plus quand est-ce que c'était. Entre deux, bah, on a les épinards qu'on a déjà bien ramassés. Ici il y a eu le rempotage de chou-fleur qui a été fait aussi. Ils vont rester ici tout l'hiver. Ils vont rester ici tout l'hiver, Jaco? Ah ouais, ouais. D'accord. Je prends micro printemps. Ok, ça marche. Ça. Et ils seront rapotés encore une fois ou on les laissera dans les petits pots comme ça? On verra. On verra. Je pense que d'ici là, ils iront un pot plus gros. Attends. Pardon? D'ici là? Un pot plus gros. D'accord, ça marche.
Ok. Donc là, bah, on avait remis des épinards hein, entre deux. Hein, on vous les avait déjà montrés. Bah, ils sont pas trop mal. Bon, pareil, hein, les chenilles se sont attaquées aussi aux épinards. Mais bon, là, j'ai fait une bonne récolte. Hein. De toute façon, je vous mettrai toutes les photos de la récolte d'épinards. C'est pour ça que... Il y a encore beaucoup de trous. Il faut semer de la salade en plein. Que... Oui, voilà. On n'est pas à l'abri d'une catastrophe. Voilà. Bon, bah, du coup... Ça arrive d'un coup. Hein. Oui, on n'a pas eu le temps de trois jours sans venir dans la serre, ben voilà quoi. Ça... Ouais. En fait, un chenille, c'est un boyau, hein. ça mange et ça sort. Mm-hmm. Donc ça pousse tout le temps, quoi. Mm. Donc voilà. Donc semer de la salade en plein, même si vous dites qu'il y en a trop. Ouais, il vaut mieux en avoir trop que pas assez. En avoir un peu en réserve. La preuve, bon, ben, là on est bien content d'en avoir eu de côté. Et puis, donc là du coup, ben, on va en remettre ici aussi, hein, de ce fait. Ben, ouais, là, et puis voilà. Un peu de diversité dans les salades. Ouais. Bon bah là-bas, nos scaroles hein, qui continuent à grossir. Là, ben, là on est début octobre. Ouais, là c'est. Ah ouais, ça commence à peiner. Ah ouais, ouais là oui. Tout ce qui est culture d'été. Ouais. On a encore quelques concombres. Hein. Là on en a ramassé combien? C'était 4 hier? Ou 5, je sais plus, 4 ou 5. 4. Là il y en a encore un bon. Oui, là c'est la fin, c'est tout. Hein. Mais en même temps. C'est trop loin à mûrir. On a des baisses de température et oui, c'est trop loin à mûrir, donc il risque d'être amer, malgré que ce soit des concombres pas amers du tout. Forcément, s'ils ont du mal à mûrir, à pousser, ils risquent d'être un peu amers. Bon bah voilà. Du coup, bah, je vous ai fait un petit tour de serre en même temps. Je vais vous faire voir comment ça commence à attaquer. Allez, voilà, là-bas. Ah, attends, Jacques. Où ça? Là-dessus. Sur ça. Voilà. Comment on s'aperçoit qu'on a des chenilles? On cherche une. Ah, ici. Là. Ah oui, en fait, voilà. Ça, c'est, bah, c'est ce qui. C'est les crottes. Hein. C'est les crottes de chenilles. Bah, voilà. Quand vous voyez ça, il y a des chenilles. Donc, vous pouvez les chercher. J'en ai trouvé pas mal de celles-là. Peut-être qu'elle chenille. En plus, ils sont malignes parce que dès qu'on enlue un peu les feuilles, elles tombent. Elles se laissent tomber dans le cœur. Elles se laissent tomber dans le cœur. Elles sont très très. Dans le cœur, même au sol. Hein. Puis alors là, dans la salade frisée, c'est compliqué hein, pour les trouver. Ah ouais. Ils sont de la même couleur, hein, j'ai l'impression. Oui. Je crois que j'ai déjà fait bien mineur. On voit qu'il y a eu des. Oh là là, oui. Ouais. Une belle attaque. Bah là, dans la salade de grand-mère que j'ai ramassée, j'en ai eu une, c'était que ça. Hein. D'ailleurs, je l'ai jeté entièrement. Hein. Même le cœur, il était rempli. Oui, mais vous bouffez des salades. Ouais, salade entière. Hein. Ah ouais, voilà. Alors voilà. Le coupable. L'objet du délit. Voilà. Ouais. J'en ai eu des trois fois plus grosses que ça. Hein. Ouais. Bon. Allez, hop. Désolé. Donc voilà. C'est un peu désolant, mais bon, après. C'est le jeu, hein. On n'y peut rien. Jeu, hein. Ouais, on n'y peut rien. Et puis là, c'est vrai que ces derniers temps, on avait encore énormément de papillons. Ouais. C'était impressionnant, hein, Jaco. Ouais. On pensait pas que ça serait venu pondre aussi. Non. Pourquoi faut que tu surveilles? Ouais. Bon, est-ce que tu as un petit quelque chose à dire supplémentaire? Non, ben. Non. Là, on arrive on part pour les choux, là. Donc ouais, peut-être voir un peu qu'est-ce qu'on doit faire au mois d'octobre. Faut prévoir les bulbilles. Oui. Pour ceux qui peuvent, dans le Pas-de-Calais, n'ont pas de trop. Hein. Et les bulbilles d'oignons dehors, tout ça. Si vous avez une serre, mettez dans la serre si vous avez de la place. Mm-hmm. À savoir qu'ils vont rester jusqu'au mois de juin, l'année prochaine. Alors si vous voulez après mettre des tomates, vous n'allez pas mettre ça n'importe où. Mettez-les dans un coin ou dans une place où il n'y aura pas de problème. Donc l'ail blanc et l'ail violet. Vous pouvez commencer, en octobre vous pouvez commencer. Mais en mieux, extérieur c'est... Mais mieux, c'est quand même en novembre pour nous ici dans le Pas-de-Calais, sur Butte, mm-hmm. pour éviter qu'il y ait le pied en haut. Qu'est-ce qu'on peut encore mettre dehors? Bah, plus grand-chose. Ah, dehors, on commence à être limité. Bah, à part les choux, je vois pas. Hein. Voilà, tu as un piquage de choux, peut-être encore un peu de salade d'hiver. Ouais. Qu'il faudra couvrir avec un tunnel ou un voile d'hivernage. En serre, vous pouvez encore semer, bah, vous pouvez encore semer de la mâche. Ça aussi, dehors, vous pouvez encore en mettre. Ouais. Début octobre, hein, jusqu'à 10-15, c'est tout. En serre, vous pouvez encore y aller jusqu'à novembre. Si il fait pas trop froid, jusqu'en novembre, ça va pousser. Et puis, ben, pouvoir piquer et de la salade, ou même du chou-fleur, tout ça, vous pouvez le mettre en serre. Mm-hmm. Pareil, à savoir que au mois de mai, il sera encore là.
Ah ouais, donc faut bien calculer en voilà. fonction de ce que vous allez vouloir mettre dans la serre. Calculer par rapport au futur culture. Au futur potager de 2021. Ouais. Voilà. Ok. Voilà, vous pouvez encore mettre tout ça. Et vous pouvez lancer, vous pouvez encore semer aussi l'oignon blanc. Dehors aussi, mais sous tunnel. Donc c'est pareil qu'en serre. Oui, il y a pas mal de choses qu'on peut mettre sous tunnel quand même, hein, en extérieur ou ça moyen. Ça dépend des endroits. Hein. Ça dépend des endroits, ouais, c'est toujours pareil. Hein, ouais. Après, il faut aussi du voile d'hivernage, il faut tout prévoir en fait. Hein, c'est vraiment. On n'est pas chez Olivier. Hein. Et non hein. Oh, bah, eux, ils ont au moins 10 degrés de différence avec nous là en ce moment. Hein. Ouais. Ils mettent des shorts 10 mois de l'année. Et ouais, bah, nous, il n'y a pas de danger. C'est le contraire, c'est 2 mois de l'année. Ah ouais. Bon, voilà. Donc, ben, ce qu'on peut encore faire au mois d'octobre. Voilà, après, ben, commencer à préparer le terrain, commencer à faire un plan pour la saison prochaine. Commencer les amendements aussi, vous pouvez, comme les endroits qui sont vides, vous pouvez commencer à mettre du fumier, l'étaler sur le sol. Hein. Des feuilles mortes, des tontes de gazon, votre compost, commencer à le sortir. Si vous avez la place en extérieur, oui, vous pouvez y aller. Si vous voulez mettre des fruitiers, vous attendez encore le mois de novembre. Parce que si c'est en pot, on peut les mettre tout le temps, hein, à condition de les arroser. Oui. Mais à racine nue, c'est plus mois de novembre. Hein. Vers la Sainte-Catherine. À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Voilà. Donc voilà. C'est et puis ben, là où vous pouvez commencer aussi, c'est des bulbes de fleurs, les jonquilles, les tulipes, les narcisses. Mm-hmm. Pardon, narcisses, jonquilles, c'est la même chose. C'est la même chose, oui. La tulipe, crocus. Ben nous, on va commencer, mais bon, faut qu'on fasse la place. Hein. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas encore la place en extérieur, c'est un peu compliqué. Jusqu'à novembre, c'est bien. Oui, donc. Après, ça commence à faire un peu tard, parce qu'après, il y a les froids qui arrivent. Il faut que le bulbe ait le temps de prendre ses racines. D'accord. Voilà. Bon, ben d'accord, ça marche. Bon, ben dans le générique que vous avez vu, je me suis arrangée pour vous mettre des photos. De cuisine un petit peu hein. Et à chaque fois je vous ai mis ce qu'on utilise de nos légumes du jardin, du potager, bon, à part la viande bien évidemment puisque nous n'avons pas d'animaux à élever. J'ai semé des graines de côtelettes. Mais ça pousse pas. Ça pousse pas, ça marche. Il fait pas assez chaud. Non, il fait pas assez chaud. Non. Ouais. Et donc je vous ai mis un petit peu de photos des petites recettes que j'avais fait ou alors ce qu'on a ramassé entre deux et puis que j'ai pensé vous faire des photos parce que parfois je ramasse et puis je transforme tout de suite, je mets au congélateur donc vous n'avez pas le temps de voir mais bon. Et puis là, c'est bientôt la clôture du concours donc n'hésitez pas si vous n'avez pas encore participé au concours. On y va. Vous allez mettre le poids des concombres. Le poids des concombres. On voudrait que les personnes soient abonnées à notre chaîne quand même pour participer au concours, ça serait super sympa. Un petit pouce bleu. Ouais. Hein. Et puis, c'est gratuit, ça vous coûte rien. Ça ne coûte rien. Voilà. Bon ben les amis, on vous dit à très très bientôt. Comme ça, si vous avez des petites choses comme ça dans votre serre ou en extérieur, vous saurez reconnaître que ce sont, comme Jaco dit, des crottes de chenilles. Et puis surtout, à retirer tout de suite, hein, parce que ça fait des dégâts énormes. Cherchez-les pour les enlever. Cherchez-les pour les enlever, hein, oui. Ça peut vous bouffer une salade en 2 jours. Carrément. Temps. Là, en 3 jours, on a eu un petit parterre de salade, un parterre d'épinards, un peu d'épinards aussi là sur l'intérieur qu'on a ramassé les feuilles déjà. Il y en a encore. Et il y en a encore, oui, on va faire la chasse là. Voilà, on vous dit à très très bientôt. Bon jardinage à tous. Désolé pour les blablas.